Ronald Desharnais, propriétaire de Prince Œuf Incorporé, producteur d'œufs à Princeville. Pour situer la ferme de Prince Œuf, ça se situe à Princeville, tout près de la ville de Victoriaville, là, la plus grosse ville qui est à 5 minutes de Victoriaville. Nous autres, sur la ferme, on est la 5e génération. Au début, c'était principalement la production laitière qui était ici sur la ferme. Mon père a commencé de la production d'œufs dans les années 1963. Moi, je suis né en 1965. Fait que j'ai toujours été baigné dans la production d'œufs depuis que je suis sur la ferme ici. Là, on a toujours eu des poules. Fait que pour moi, là, c'est pas nouveau. Ouais, moi, j'ai pris la relève à mon père en 1987. Entièrement, moi et mon épouse, puis c'est ça. Là, au fil des années, on a de la relève qui s'installe. C'est de bon augure. Là. Bien, on a deux productions dans le fond. On a l'élevage de reproduction, que je travaille là avec ma fille, Patricia, qui a 25 ans. Puis c'est elle qui va s'occuper de ça plus tard, là, quand moi je vais laisser ma place. Puis il y a mon garçon aussi, Francis, qui a 23 ans, qui est en train de prendre la relève ici sur la ferme familiale avec sa conjointe Vicky. Depuis 6 ans environ, on a commencé à prendre l'agrandissement. On a construit une nouvelle éleveuse à côté de la maison. Puis on a fait un nouveau pondoir aussi qui peut accueillir 33 000 poules pondeuses. Puis ça me fait drôle quand je vois ça parce que, voilà 30 ans, c'était nous. C'était nous qui prenions la relève, puis on partait, puis on connaissait pas tout, mais le mot clé, c'est de se faire confiance, puis d'avoir confiance à la production aussi. Ici, sur la ferme, on a toujours fabriqué notre moulé pour la consommation. Depuis, même quand c'était mon père aussi, on avait déjà l'équipement nécessaire à la fabrication. Ça a toujours été une continuité, puis rendu aujourd'hui avec 33 000 poules, ça consomme environ 3,4 tonnes de moulé par jour. Puis il y a aussi le bien-être animal là, aussi qui est le gros enjeu depuis un certain temps qu'on s'occupe beaucoup de ça pour parce qu'une poule qui serait pas bien, tout de suite on va s'en ressentir au niveau de la production. Ce que j'aime de l'aviculture aussi, c'est qu'on est une belle fédération. On est au-dessus de 108 producteurs d'œufs. Il y a des jeunes, il y a des anciens aussi qui sont en train de laisser leur place aussi pour faire le transfert. Puis vraiment, là, on est une famille, parce qu'il n'y a pas de compétition entre les producteurs. Premièrement, c'est un produit de qualité qu'on veut donner à tous les consommateurs, puis c'est le point principal que tous les producteurs ont en leur tête. Ce qui me passionne là, dans mon métier, là, c'est sûr, c'est la continuité aussi par rapport à ce que mon père avait déjà entrepris, puis que mon gars aussi va continuer. Ça, c'est une fierté aussi de tous les jours, puis je vais toujours être fier de ça. Crème pour toi, mon gars!